abbiamo preso Laurent nel momento in cui poteva, anzi è in vacanza, quindi ci viene a trovare un'oretta per raccontarci il suo libro, che è questo, ve l'ho fatto vedere tante volte in questi giorni, che è Per farla finita con se stessi, edito da Tlon. Il sottotitolo è Antimanuale di crescita personale. Roland Sutter, che ringrazio. Vuoi che ti traduca? No, capisci? Sì, va bene. Perché abbiamo tutta una questione di lingua oggi anche da gestire. È un filosofo, è un professore a Bruxelles ed è, ne parlavamo prima, anche un editore, perché lui dirige più collane sia in francese che in inglese e quindi è sempre in cerca di nuovi autori. In questo caso parlavamo di autori italiani da tradurre, da rubare, come dicevamo, e il suo lavoro si concentra sulla storia e teoria del diritto, che poi diventa una riflessione, come in questo libro, sul sé, sul nostro essere persone che vivono con se stessi e nel mondo. E quando ho raccontato questo libro in questi giorni su Instagram, no, come ti raccontavo, noi non siamo una libreria di filosofia, però io ho studiato filosofia e quando ho letto il tuo libro ho proprio pensato: quando devo spiegare alle persone a che cosa serve la filosofia, tu in generale, serve a questa cosa qui, cioè a fare dei ragionamenti che sembrano molto astratti, ma che poi hanno una ricaduta su come noi viviamo, come noi ci comportiamo, anzi addirittura sul nostro essere, no? Che in filosofia è l'ontologia, lo studio dell'essere, ma in realtà è quello che noi viviamo tutti i giorni, cioè il nostro essere poi diventa fenomenologia, che è il nostro essere nel mondo e con gli altri. E quindi quando raccontavo il tuo libro dicevo: se lo consiglio in particolare a chi è curioso di capire come tutti questi ragionamenti che noi abbiamo studiato e sembrano così staccati dalla realtà, lontani dalla realtà, in realtà, scusami, gioco di parole, sono molto vicini a noi. E tu nel tuo libro fai proprio questo, cioè parti da molto lontano, in realtà parti da un centinaio di anni fa a Nancy, per poi andare molto indietro nella Grecia antica, passare per il diritto romano, per il giusnaturalismo di Locke, non vi fate spaventare che dopo lui ve li racconta benissimo queste cose, e poi per arrivare a Freud, a Lacan, a Foucault e alla tradizione moderna di riflessione su il sé. Perché questo titolo? Perché tutto quello che hanno in comune tutti questi pensieri che Laurent va a toccare è la riflessione appunto sul termine persona e su una persona come sé, una persona come soggetto, e quindi che cosa succede in questo mondo in cui il nostro sé è sempre messo in discussione, no? Come una cosa che si può continuamente cambiare, migliorare, abituare a delle dinamiche, può essere messa in discussione sul mondo del lavoro, ma tantissimo da delle dinamiche appunto di crescita personale, quindi di autosuggestione. E quindi questo, diciamo, è il trait d'union che lega tutto l'excursus che poi Laurent ci andrà a raccontare. Lui parlerà in francese, io lo traduco man mano, e abbiamo concordato che lui vi racconti il libro, perché lui così potrà fare un ragionamento e spiegarvi tante cose, non senza essere interrotto dalle mie domande, ma solo dalla traduzione. Poi magari quando hai finito, se ci sono delle domande o mie o del pubblico, le facciamo. Grazie intanto. Grazie a te, Margherita. Je vais effectivement parler en français. Mais je peux aussi parler en anglais si c'est plus facile. Voilà, je ne sais pas si vous préférez quelque chose. Donc, de toute façon, sinon je continue en français. Donc merci beaucoup pour l'accueil, c'est très aimable de votre part, et je suis très touché que vous preniez tous sur votre temps précieux pour venir m'écouter, nous écouter ce soir à propos de ce livre.
Alors, je vais essayer de le présenter sans trop le présenter. Il faut quand même que vous ayez une bonne raison de l'acheter aussi. Et donc, je vais laisser planer deux, trois mystères sur ce qui est vraiment en jeu dans ce livre, mais je vais évidemment néanmoins vous expliquer dans un instant pourquoi je l'écris, pourquoi je l'écris comme je l'écris et dans quelle entreprise plus large, en réalité, il se situe. Tu me dis quand je fais 2 minutes, comme ça, c'est bien? Comme ça. E, allora, intanto Laurent ci ringrazia per essere qui e ci dice che prova a presentare il suo libro senza presentarcelo, ovvero lasciando qualche mistero, così si è tipo invogliati a leggerlo e ci spiega soprattutto perché lo ha scritto in questo modo e in quale disegno più grande questo libro si situa. La question, évidemment, de laisser dans l'ombre un certain nombre de points, c'est pas juste comment dirais-je, coquetterie de ma part. Pourquoi? Parce que la manière dont j'essaye d'écrire mes livres, et celui-ci ne fait pas exception, cherche à faire un pas de côté par rapport à la fois à la manière dont on écrit la philosophie, disons, à l'université, c'est-à-dire comme un système de présentation du savoir, voilà, qui se déploie ou qui déploie, disons, ses raisonnements de manière un petit peu aride, mais en même temps très vérifiée, très, très solidement référencée, etc. Mais je n'ai pas envie non plus d'écrire des livres qui sont des livres qui chercheraient à venir apporter des solutions que l'on pourrait utiliser dans notre vie, clé en main, comme des espèces d'outils qui suffiraient comme ça de prendre et de se dire, voilà. J'ai la bonne clé pour la bonne serrure. J'ai enfin trouvé la solution à la misère dans le monde, à la question de la joie, au bonheur, etc. Ça ne m'intéresse pas non plus. Ce qui m'intéresse, c'est véritablement de fabriquer des machines, des petites machines, les plus modestes possibles, pour qu'on puisse penser ensemble. C'est-à-dire des machines qui, moi, me font penser quand je travaille, que j'écris, mais qui puisse aussi vous faire penser, vous, quand vous lisez, c'est-à-dire vous mettre un petit peu dans une situation de difficulté, pour pouvoir travailler aussi vous-même, d'une certaine manière, à fabriquer votre propre relation au problème que je pose dans le livre, et en l'occurrence ici, au problème du soi, au problème du moi, au problème de la personne ou de l'individu. Allora, questa cosa che vi ho detto di lasciare nell'ombra dei punti non è un vezzo, parlo in prima persona, spesso non faccio meglio, non è un vezzo che io ho, ma è parte del mio modo di scrivere. Cerco di scrivere dei libri che siano un po' diversi dal modo in cui di solito si parla di filosofia a livello accademico, insomma, presentano questi argomenti in modo così vasto, ma allo stesso tempo arido. Però non voglio neanche scrivere dei libri che diano delle soluzioni, che siano degli strumenti immediati, no? Una buona chiave per una serratura, così, che vi si presenta davanti, delle soluzioni per risolvere la povertà nel mondo, insomma, che vi facciano dire, ecco, qui ho trovato lo strumento giusto. Quello che mi interessa è quello di fabbricare delle piccole macchine modeste, più modeste possibili, che mi aiutino a pensare, aiutino me a pensare mentre le scrivo, mentre le fabbrico, e aiutino voi, facciano pensare voi mentre le leggete, e però vi mettano anche un po' in difficoltà, vi sfidino, come lettori. Donc, c'est-à-dire qu'un livre, ben pour moi, il y a plein de conceptions possibles du livre, mais un livre pour moi doit être un problème. Voilà, il doit poser problème, faire problème. Et d'abord, effectivement, me faire problème à moi-même, me forcer à me poser des questions que je ne me serais pas posées spontanément. Hein, quand je fais mes recherches, je choisis un sujet, je commence à faire un certain nombre de recherches. Ces recherches sont des recherches qui n'ont pas pour but de confirmer ce que je savais déjà au moment où j'ai commencé à écrire. Mais au contraire, de me forcer, d'une certaine manière, à penser à la hauteur de ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est-à-dire à respecter le plus possible un sujet
en tant que ce sujet fait problème et fait problème effectivement dans nos vies. Et c'est pour ça que j'essaye d'adopter une forme, voilà, qui est une forme qui n'est pas, je crois, qui n'est pas toujours facile pour tout le monde. C'est-à-dire, je crois que mon écriture est une écriture qui est très simple, très lisible, mais la forme que j'utilise pour raconter ce que je raconte est, elle, une forme qui n'est pas pleine de pièges. C'est une forme dont le modèle essentiel pour moi, si vous voulez, est au fond, c'est le roman à mystère ou le roman policier, le roman noir qui rentre dans un sujet, se perd avec ce sujet, me perd moi, vous perd un peu vous, et puis progressivement, ben du moins j'espère, si c'est réussi, les choses s'éclairent. L'idée est de fabriquer un problème qui est un problème qui ensuite propose un système de narration qui ne cherche pas à le régler trop vite, mais à le déployer dans sa plus grande richesse possible pour ensuite, à la fin, proposer, voilà, comme dans les romans effectivement policiers, proposer un coupable ou au contraire une sorte d'échappée, une manière de sortir du problème dans une direction qui est une direction que j'essaye la plus inattendue possible. Allora, un libro per me deve essere un problema, deve porre un problema, deve fare un problema e deve forzarmi a pormi delle domande. Quando io faccio le mie ricerche sugli argomenti dei miei libri, sugli argomenti dei miei studi, non devono confermare ciò che già so, ciò che già ho scoperto, ma devono spingermi sempre a pensare all'altezza e alla profondità dell'argomento che ho scelto e che ho in mano in quel momento. E quello che cerco di fare è di adottare una forma che non è facile per tutti, anche se credo sia estremamente facile da leggere, cioè sia molto facilmente leggibile, ma la forma dei miei romanzi è ispirata alla forma dei romanzi di mistero, dei polizieschi, dei noir, in cui la narrazione entra in un argomento, vi si perde, mi perdo un po' io che scrivo, vi perdete voi che leggete, tutta la narrazione si perde per poi ritrovare un suo capo alla fine e ritrovarsi in delle soluzioni. E quello che io cerco è di fabbricare un problema con un sistema di narrazione che nel modo più vasto possibile in tutte queste appunto vicissitudini ne presenti tutte le complessità e poi alla fine cerchi di fornire una o delle soluzioni. Alors, j'arrive, rassurez-vous, hein, je vais parler du sujet du livre à un moment donné. A un certo punto parleremo anche del libro, non vi preoccupate. Mais juste pour terminer sur ce point qui est pour moi très important quand même, c'est vrai que ça ne se voit pas dans la traduction italienne parce que l'éditeur, qui est merveilleux, a choisi d'inventer un sous-titre qui n'existe pas dans l'édition française. Parce que dans l'édition française, Antimanuele di Crescita Personale, c'était le, vous savez, c'était la petite bande qu'on rajoute pour faire un peu de publicité. C'est moi qui avais proposé de le faire, hein, donc je suis responsable de ça. Mais le sous-titre du livre français, c'était Proposition 1, ce qui est moins attirant, parce que, en effet, ce livre est pour moi le premier d'une série de travaux, de petits dossiers consacrés à des propositions, non pas des idées, pas des concepts, pas des thèses, mais des propositions, c'est-à-dire des choses que je dépose sur la table, que je suggère comme des possibilités, et des possibilités qui relèvent davantage de la fabulation que de la certitude. C'est-à-dire que, à nouveau, ce ne sont pas, à la fin du livre, je ne viens pas dire le soi, c'est cette chose, vous avez tous attendu que Laurent de Sutter arrive pour vous dire quel est le soi. Non, pas vraiment. Ce que je viens de dire, c'est et si le soi, ou ce qu'on pouvait dire du soi, c'était ça. Qu'est-ce que ça pourrait signifier?
politiquement, éthiquement, et qu'est-ce que ça pourrait signifier de faire cette hypothèse-là. Donc c'est une série de livres dans laquelle je propose des hypothèses, qui sont des hypothèses dont je ne suis pas certain qu'elles soient solides, dont je ne suis pas certain d'être certain moi-même, mais des hypothèses qui ont pour mérite, je crois, j'espère, de continuer précisément ce processus de pensée dont je parlais il y a un instant. Ça, c'est le premier. Après, il y en a un qui sort en France au mois de septembre, qui s'appelle « Éloge du danger », qui est sur les assurances. Et le troisième, qui est écrit aussi, qui sortira en 2023, s'appelle « Décevoir est un plaisir », qui est une phrase de Gilles Deleuze, qui est un philosophe qui est très important pour moi. Et comme ça, il y en a, j'en ai 7, 8 qui sont en préparation. C'est une série de petits travaux, quoi. Allora, non si vede nella traduzione italiana, perché nell'edizione francese, vabbè, non c'è questo sottotitolo, antimanuale di crescita personale, ma è stato messo come la fascetta, no? Scelta da lui, quindi non è una trovata di mercato, però era semplicemente presentato in modo diverso il libro, cioè c'era questa fascetta e non il sottotitolo stampato. Il sottotitolo francese è Proposition 1. Proposition, cioè proposte, cioè il primo libro di una serie di piccoli libri che sono per lui non dei saggi, ma una serie di proposte che mettono in campo dei suggerimenti, delle possibilità per fare che cosa? Per mettere in dubbio la certezza su questi temi. Quindi il libro non finirà dicendo il sé è due punti e c'è la spiegazione, ma si dice che cosa potrebbe significare il sé in questo contesto che abbiamo analizzato, che cosa potrebbe significare il sé secondo questa ipotesi. E lui non, e sono ipotesi di cui neanche lui è certo, ma le mette sul piatto perché sia lui che chi legge ci possa riflettere, no? Possa rifletterci in base anche al proprio contesto. E secondo lui queste ipotesi hanno il merito di continuare e di alimentare un procedimento dubitativo, cioè di ricerca dubitativa. E questo è il primo, appunto, e a settembre ne esce in Francia un secondo che si chiama Éloge du danger, Elogio del pericolo, e il terzo si intitolerà Deludere è un piacere, che è una citazione da Gilles Deleuze, e così ne ha in mente 7-8 di questa serie, appunto, di proposte su vari temi. Allora, donc, ce livre-là, dans ce livre-là, le problème qui m'a occupé est effectivement un problème qui nous occupe tous, qu'on le veuille ou non, en réalité, qui est la place très particulière qu'occupe le vocabulaire, le lexique du soi, ou le lexique du moi, ou le lexique de la personne, le lexique du je, à l'intérieur de, pas seulement la pensée, pas seulement la philosophie, mais, en fait, à peu près tout, d'une certaine manière, ce qui nous entoure comme texte, dans les journaux, dans les magazines, effectivement dans les rayons de développement personnel, je ne sais pas s'il y en a un dans cette librairie. On n'est pas très passionné. Voilà. Tu dois savoir que quand on a décidé de faire cette présentation, on a dit avec Paola, bon, on a beaucoup de gens qui nous demandent des trucs de développement personnel et on va faire un anti-développement personnel, donc ça va être super. Detto che, cioè, io e Paola siamo bombardate da richieste di manuali di crescita personale, tema che a noi non interessa, cioè non è nostro, quindi abbiamo tante cose, sapete voi che venite, che ci interessano, di quelle proprio non sappiamo nulla perché non ci siamo documentate, e abbiamo detto andiamo a fare una presentazione su un antimanuale di crescita personale, perfetto, saranno tutti felicissimi. Et donc effectivement donc on est au bon endroit, c'est magnifique. Donc c'est sur un ensemble de mots qui appartiennent véritablement à notre vocabulaire quotidien et qui créent un contraste très curieux. Un contraste entre l'abstraction qu'il semble représenter, le moi, qu'est-ce que c'est que le moi, le je, qu'est-ce que c'est que le je, la personne, soi-même, qu'est-ce que c'est que soi-même, mais qui néanmoins opère
avec une prodigieuse résonance concrète dans nos existences. Pour ça, il y a évidemment une raison qui est très simple. C'est que nous vivons des existences abstraites. Et que ce que nous considérons très souvent comme le plus concret dans nos vies, nos émotions, effectivement, toutes les manières, tous ces mots qu'on utilise pour se décrire, sont en réalité des abstractions folles, des abstractions extraordinaires. Ce sont des mots, des idées qui sont surchargées de théories, de pensées, de philosophies, bon, parfois bien plus de philosophies, de politique, de droit, etc. Et il en va ainsi de mots comme moi ou comme soi. Bon, ce sont des mots qui, chargés comme ça, d'une histoire, chargés du poids de toute une série de disciplines qui sont des disciplines qui ont l'air d'être situées au fond à distance de ce que ça a l'air d'être véritablement pour nous, néanmoins font retour dans notre vie par leur intermédiaire. Pour le dire de manière très simple, peut-être, plus simple que ce que je viens de le dire en tout cas, au fond, c'est quoi le problème du soi? C'est qu'on nous a vendu cette idée comme une idée qui était une idée qui pourrait nous faire du bien, comme une idée qui était une grande idée venant de l'histoire de la philosophie, alors que le soi est un concept qui naît, qui se développe et qui est utilisé dans un contexte qui est uniquement juridico-policier. Le soi, c'est un concept de flic. Et c'est un concept de flic qui se manifeste aujourd'hui dans une des formes du flicage contemporain, qui est précisément le développement personnel. Alors, il problème che mi ha occupato in questo libro è il posto molto particolare che ha nella nostra vita il lessico del sé, dell'io, della persona, del me. E non solo nei testi di filosofia, nei libri, ma in tutti i testi che ci circondano, le riviste, i giornali, la TV, i manuali appunto di crescita personale. L'insieme, cioè, di queste parole che fa parte del nostro vocabolario, io, me, se stessi, appunto, il sé, e ha a quanto pare una ricaduta molto concreta. Secondo noi, in realtà, è un insieme di parole astratte, molto astratte, se ci pensiamo. E perché? Perché fondamentalmente noi viviamo delle esistenze astratte. Cioè, i nostri, quello che noi usiamo per definirci, le emozioni che viviamo, che per noi sono di quanto più concreto, in realtà sono tutti elementi astratti, non c'è nulla di concreto. E in particolare queste parole sono parole di un lessico non solo fatto di astrazioni, ma anche sovraccaricate di una storia filosofica, di significati ideologici, politici, quindi appunto che vengono tutti da un contesto molto più ampio, nonostante appunto siano usate in modo scarnificato in questi, nei media, in questi manuali. E appunto le parole sono caricate di storie e di varie discipline, e però poi fanno ritorno alla nostra vita in questo modo. E qual è il problema di questo concetto, di questa nozione del sé? È che ci hanno venduto l'idea del sé, del se stesso, come un'idea benefica, come un'idea di benessere, no? Posso portare benessere, ma in realtà il sé è un concetto giudiziario, giuridico, che fa parte del vocabolario della polizia. E lui dice il sé è una cosa da poliziotti, e come da poliziotti sono questi manuali di crescita personale. Flick sono gli sbirri, cioè proprio detta letterale. Alors c'est évidemment, ça paraît étrange parce que justement fait partie du discours que l'on entend beaucoup aujourd'hui sur le soi, l'idée qu'au contraire le soi ou le moi c'est une quête qui a une histoire aussi vieille que l'humanité, ou au moins aussi vieille que la philosophie, que ça fait partie des grands problèmes qui nous habitent,
On veut savoir ce qu'est une vérité, on veut savoir ce qu'est la beauté, on veut savoir ce qu'est un être humain, on veut savoir ce qu'est le soi, et fait partie justement du récit l'idée que la philosophie, depuis toujours, s'est intéressée au soi. C'est faux. C'est absolument faux. Ceux qui vous racontent que le soi est un concept, une idée, une préoccupation qui appartient à quelque civilisation que ce soit avant le XVIIe siècle européen, vous racontent simplement des bêtises. Il n'y a pas de soi dans l'Antiquité grecque. Il n'y a pas de soi chez les Romains. Il n'y a pas de soi dans les premiers âges de la chrétienté. Le soi, qui va ensuite devenir la matière première de toute la gestion politico-policière des corps et des âmes que le développement personnel va porter à son point de perfection, naît au XVIIe siècle dans un contexte très particulier. Un contexte qui voit apparaître en même temps une transformation de vocabulaire considérable dans toute une série de domaines, c'est-à-dire une substantivation de mots qui jusqu'alors étaient des adjectifs, des pronoms. Voilà. Subitement, Blaise Pascal se met à parler du moi. Le moi. Le moi est haïssable, dit-il. René Descartes se met à parler du je. C'est pas je parle, c'est le je parle. Le je pense, donc il est. Hein, la fameuse phrase qu'on traduit très souvent par je pense, donc je suis, c'est pas vrai. Il faut relire le texte latin, c'est le je pense, c'est une fausse, c'est une phrase très étrange, la phrase de Descartes, c'est le je pense, donc je suis. Mais plus important que Pascal ou que Descartes, c'est effectivement, comme l'a rappelé Margarita tout à l'heure, c'est Locke. La figure de John Locke, qui dans son essai sur l'entendement humain, cherche à comprendre, là aussi dans un contexte sur lequel je reviendrai dans un instant, un contexte très spécial, il cherche à comprendre pour la première fois ce qu'est le self, the self. Il est le premier dans la langue anglaise à substantiver self. Self, non, normalement, qui sert simplement à créer un mouvement réflexif dans la langue, c'est un pronom réflexif. Subitement, ça devient un mot en soi, un concept en soi. Et que dit-il, Locke? Il est honnête, il ne ment pas. Que dit-il? Il dit, ce self, j'ai envie de savoir ce que c'est. Et pour savoir ce que c'est, évidemment, il faut réfléchir sur la conscience que nous avons de nous-mêmes. C'est la conscience qui sera la caractéristique première du self. Il n'y a pas de self, il n'y a pas de soi sans conscience. Et cette conscience que le soi se donne, qu'est-ce que ça définit? Qu'est-ce que ça construit? Eh bien, Locke dit, ça construit une person. Personne. Persona, aussi en latin. Et il a cet aveu extraordinaire que tous les historiens de la philosophie ont laissé complètement de côté, pour une raison qui, moi, je ne comprends pas. Il dit, person est un mot qui se comprend, qui ne peut que se comprendre, que en tant que mot venant du domaine de ce qu'il appelle forensic, c'est-à-dire du domaine du droit, du domaine judiciaire. La personne, telle qu'il la comprend, mélange du self et de la conscience, est le produit d'une histoire qui n'est pas une histoire philosophique, mais qui est l'histoire du droit, en tant que le droit est la discipline qui s'est intéressée, peut-être la seule à s'être intéressée à la figure de la personne. Allora, è strano perché insomma, il sé ci viene da pensare che potrebbe essere una ricerca che interessa la storia della filosofia tutta, la storia dell'umanità tutta, no? Fin dall'antichità. In realtà questo è falso. Cioè, chi vi racconta che il sé sia un concetto antico come la ricerca, ad esempio, della verità, della bellezza, che questo lo aggiungo io, lo troviamo già in Platone, dell'anima, e vi racconta una sciocchezza. Perché il sé è un concetto che non interessava la storia della filosofia prima del XVII secolo. Ed è qui che il sé diventa la base poi di cosa? Quasi subito, della materia, della polizia, giuridica. E
nasce nel XVII secolo con un processo di sostantivizzazione di aggettivi e pronomi. In Pascal, ad esempio, il me come pronome diventa il me. In Descartes, io diventa l'io. Il penso quindi sono, in realtà nel testo originale è l'io penso, cioè come sostantivo io, quindi sono. E in realtà quello che più ha colpa, diciamo, in questo processo è John Locke, filosofo inglese, che nel suo saggio sull'intelletto umano, cosa che chi ha studiato filosofia non può non aver studiato, parla proprio, sostantivizza the self, particella che in inglese serviva solo per fare a riflessivo i verbi e le frasi, no? E questo pronome riflessivo diventa un sostantivo e lui dice, anche abbastanza onestamente nel suo saggio, no? Per sapere che cos'è questo the self, per riflettere mi serve, lo devo fare con la mia coscienza, la coscienza è il modo in cui io rifletto su me stesso e quindi non c'è un self senza una coscienza che ci riflette sopra. E questa coscienza, secondo Locke, allora diventa ciò che costituisce una person, una persona. E poi c'è questo elemento, dice Laurent, che gli fa veramente strano che tutti gli storici della filosofia ci passino sopra. Locke proprio ci dice che person per lui è da comprendere in un lessico forensic, quindi forense, cioè in italiano abbiamo proprio la parola forense, e cioè un lessico che non fa riferimento alla storia, della filosofia come storia dell'identità, ma alla storia del diritto, cioè al lessico giuridico. Ça, c'est quand même un coup de théâtre. C'est quand même d'assez surprenant. Et la surprise, je vous raconte juste ça. Hein, c'est effectivement comment dirais-je, un moment qui est important dans le livre. C'est pas le seul moment. Il y a toute une série de choses qui se promènent dans le livre, mais c'est un moment que je veux vous raconter quand même. Ce moment-là, c'est un moment clé. Et c'est un moment dont il faut comprendre l'importance parce qu'on le mesure pas. On ne mesure pas assez, et on ne mesure pas assez à quel point nous en sommes les héritiers des décisions, d'un certain nombre de décisions qui sont prises à cette époque-là par des gens comme Locke, pas Locke tout seul. C'est pas Locke qui a décidé qu'aujourd'hui, travailler à notre soi devait devenir notre boulot quotidien. Mais il a contribué, si vous voulez, à équiper notre lexique et donc à équiper aussi notre cerveau de manière de voir, de manière de comprendre, de manière de distinguer aussi ce qui est possible de ce qui est impossible, dans lequel la question de rattacher le soi à l'histoire du droit a une importance qui est une importance capitale. Alors autour de la décision de Locke, et qui la rend peut-être plus lourde de sens, il y a toute une série d'autres éléments qu'on peut mentionner, qui sont des éléments qui sont absolument contemporains de sa décision, des éléments plus larges de politique. Par exemple, le nom. Le nom que nous portons tous. Alors, on a évidemment, le nom, tout le monde a toujours porté un nom. Ah oui? Vous en êtes si sûr que ça? Et puis ce nom que nous portons, est-ce qu'il a toujours été le même? Bon. En réalité, on sait, les historiens du nom ont montré que ce n'était pas le cas, et que le nom, notre nom, notre prénom, etc., avait aussi une histoire, et que cette histoire avait connu également au XVIIe siècle, à la même époque, et notamment en France, sous la volonté directe de Louis XIV et de son ministre Colbert, le nom était devenu quelque chose d'important pour pouvoir attribuer à un individu ses actions. C'est-à-dire qu'on a commencé politiquement à s'intéresser au nom comme à quelque chose dont il fallait être sûr et certain, comme quelque chose qui définit l'identité d'une personne, qui permet de pointer là où se situe le soi d'une personne. Et donc, en France, à cette époque, on va commencer à imposer la rédaction du nom dans les registres paroissiaux, dans les registres des paroisses, les registres des églises, à le formaliser, à lui donner aussi une identité qui serait une identité fixe, alors qu'auparavant, le nom, on pouvait en changer au cours de sa vie relativement facilement en Europe.
on pouvait ne porter qu'un seul nom. Il n'y avait pas besoin d'être composé de nom et de prénom. Quand on déménageait, on laissait son nom dans son ancien village et on en adoptait un nouveau, etc., etc. Le nom est un élément qui devient qui permet, d'une certaine manière, aux autorités de dire qui est qui, c'est-à-dire d'attribuer à quelqu'un le soi qui lui revient et pas celui de quelqu'un d'autre. C'est ce qui ensuite, associé à une invention qui elle aussi se développe au XVIIe siècle et celle de la signature, va ensuite se développer au cours des siècles jusqu'à aboutir à une création que nous avons tous encore aujourd'hui dans notre poche, qui est une création du XVIIIe siècle et qui va être imposée dans la plupart des pays européens aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, essentiellement, il faut bien le dire, par l'occupant allemand, qui est la carte d'identité. La carte d'identité, c'est ce qui indique qui vous êtes. Et qui vous êtes, c'est quoi? C'est un nom, une signature et un certain nombre de mesures biométriques. Eh bien, le self de Locke, c'est la carte d'identité. Allora, questo di Locke è quantomeno un colpo di scena, cioè abbastanza sorprendente. Non è l'unico momento importante nel libro, ce ne sono vari, però questo è sicuramente un momento chiave, perché, poi il discorso che facevo nell'introduzione, non valutiamo abbastanza quanto noi siamo quelli che hanno ereditato in realtà questa posizione di Locke. Allora, non è tutta colpa di Locke, ovviamente, ma sicuramente Locke ha contribuito a equipaggiare il nostro cervello in questo senso, cioè nel senso di appunto interpretare il sé in questo modo. Ci sono tanti elementi più larghi, no? Di contesto che, guarda caso, si sviluppano proprio nello stesso periodo e in Europa. Uno di questi è il nome che tutti portiamo. Ci siamo mai chiesti se abbiamo avuto, sempre avuto questa cosa del nome e cognome, se sono sempre stati attribuiti in questo modo così rigido? La risposta è no, cioè gli storici del nome ci dicono che anche questa è un'invenzione abbastanza recente, che è data più o meno dello stesso periodo, del XVII secolo, quando in Francia Luigi XIV, XIV e suo ministro Colbert avevano bisogno di attribuire un nome individuale a ogni persona, che fosse sempre quello, per poter poi attribuire a tal persona le proprie azioni, quindi per poter puntare il dito e dire sei stato tu a fare quella cosa lì. Ed è proprio di quel momento la richiesta di scrivere il nome, scrivere il nome nei registri, ad esempio, delle parrocchie, e quindi l'identità diventa fissa. Prima il nome era qualcosa di più fluido, si poteva solo avere il nome, non il cognome, si poteva cambiare quando uno lasciava un villaggio, una nazione per emigrare, poteva cambiare il proprio nome. E da lì invece diventa un nome e un cognome fisso che permette all'autorità di riconoscere il sé come il sé di qualcuno e non di qualcun altro. E poi che cosa succede in quegli anni? Si sviluppa anche la firma. La firma che poi negli anni diventa, sì, diciamo, contestualizza dentro a un documento che abbiamo tutti ancora, che in realtà si è diffuso, è stato imposto dall'occupazione nazista in Europa, che è la carta d'identità. Quindi la carta d'identità, che è un nome, una firma e delle misure, è il sé di Locke. Bon, évidemment, c'est pas très joyeux. Et c'est ce qui rend d'autant plus curieux, d'autant plus étrange, que on continue à vouloir nous nourrir avec du soi à longueur de journée. Et qu'en effet, le développement personnel, mais il n'est pas le seul, cherche à nous proposer chaque jour davantage d'exercices, hein, pour travailler davantage à notre moi, à notre soi, pour se réconcilier. Hein. Okay, horrible mot, se réconcilier avec avec nous-mêmes, comme si un jour on s'était disputé, on était parti en claquant la porte. Enfin bon.
Il est quand même effectivement curieux que le développement personnel fasse usage d'un registre de langage, qui est un registre de langage dont, en apparence, tous ces éléments de contexte, je vous en ai cité quelques-uns ici, il y en a beaucoup d'autres dans le livre, certains amusants, d'autres moins, comme si ces éléments-là n'avaient pas d'importance, comme si on pouvait utiliser ce mot de soi gratuitement, facilement. Et c'est d'autant plus grave, je dirais, d'autant plus problématique que l'usage qui en est fait dans les manuels de développement personnel est un usage qui lui-même se déploie sous une forme qui est une forme normative. C'est-à-dire, voilà, pour être meilleur, je ne sais pas, dans votre vie professionnelle, dans votre vie affective, dans votre vie sexuelle, eh bien, il suffit de faire ceci, faire ça. Et alors chaque gourou a son propre programme, hein, d'exercice auquel il faut se plier. C'est-à-dire que pour retrouver le soi, c'est comme un symptôme, si vous voulez. Pour se retrouver soi-même, il faut commencer par obéir. C'est-à-dire, il faut commencer à effectivement se plier aux ordres de la bonne méthode pour pouvoir retrouver cet être, mais qui est un être qui est, je ne sais pas ce que c'est cet être, mais en tout cas qui est l'être précisément de celui qui obéit. Bon. Et la version la plus belle que je trouve aujourd'hui de ce développement, ou de ce genre littéraire, c'est la figure des auteurs de développement personnel qui prétendent faire le contraire, qui prétendent faire du développement personnel qui n'en est pas. Et dans le livre, je parle un petit peu, je m'en moque un petit peu aussi, je ne suis pas très gentil avec elle, mais bon, elle le mérite quand même pas mal. Je parle d'une autrice allemande qui a publié un livre. Alors je ne sais plus quel était le titre de la traduction, je ne sais même pas s'il est traduit en italien ce livre, mais un livre dont le titre en gros est Je suis une merde et je compte bien le rester. Et qui est un livre qui vous explique pourquoi tous les autres livres de développement personnel qui vous racontent comment être meilleur, plus fort, plus beau, plus intelligent, plus je ne sais pas tout quoi, ils se trompent. La seule chose qu'ils veulent faire, c'est vous adapter au code du marketing ou du management. Moi, je viens vous expliquer comment faire pour accepter d'être en fait ce que vous êtes. C'est-à-dire, si vous vous sentez moche, si vous vous sentez gros, si vous vous sentez nul, c'est pas grave. C'est pas la peine de vouloir se conformer aux standards de la société dans laquelle nous sommes. Ce qu'il faut, c'est vraiment vous réconcilier avec cette chose que vous êtes, à savoir gros, moche, nul, enfin peu importe. Ce qui est fabuleux dans le livre de cette femme, qui a été un best-seller colossal en Allemagne et ailleurs, c'est que évidemment la méthode pour enfin vous réconcilier avec cette merde que vous êtes, c'est de faire des exercices comme dans les autres bouquins. Alors déjà, c'est quand même extraordinaire de devoir faire des exercices pour être une merde, enfin c'est quand même relativement pour accepter d'être une merde. Mais ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que si vous achetez le livre, vous le lisez, vous dites, ah oui, en fait, c'est simple, c'est vrai, je dois me réconcilier avec moi-même, je suis une merde, c'est vrai, et puis fuck le monde, bon, je vais y penser, je vais être heureux. Je vais enfin être heureux d'être une merde. Sauf qu'à la fin, vous refermez le livre, vous le rangez, vous y réfléchissez, vous essayez de faire, de vous nourrir comme elle, de vous nourrir intellectuellement, comme le dit cette femme, de penser tous les jours qu'en effet, être une merde, c'est pas grave, que c'est le monde qui est un problème, etc. Et puis vous êtes toujours aussi malheureux. Ça signifie que non seulement vous étiez une merde au départ, mais à l'arrivée, vous êtes une super merde, parce que vous êtes une merde qui n'est même pas capable de réaliser les petits exercices très simples, parce que les exercices sont toujours très simples dans les manuels de développement personnel, qui vous permettent d'être OK avec le fait que vous êtes une merde. Donc, si vous voulez, l'abysse, d'abord, de merde dans lequel on se met à nager finit par sentir très très mauvais, mais surtout, le malheur que ça nourrit est quelque chose d'absolument terrible. Pardon. Allora, allora, quello che dicevamo prima di Locke, appunto, della carta d'identità, di questo sistema forense, non è sicuramente una gioia. E
ancora più strano quindi appare, avendo un po' decodificato questo meccanismo, è che noi continuiamo a volerci nutrire di questo sé, che abbiamo scoperto non essere questo granché, facendo tutti i giorni questi esercizi, no, per, lui dice, riconciliarci con il nostro sé, come se avessimo litigato, una parte fosse andata via sbattendo la porta e insomma ci fosse un sé da riconciliare. Quindi questi manuali di crescita personale, ovviamente, di cui siamo arrivati a parlare, hanno un registro linguistico in cui questi elementi di contesto non hanno nessuna importanza e è come se potessero usare questo sé, questa parola che in realtà contiene una storia, in modo gratuito. E poi questi manuali hanno sempre una forma normativa, no? Cioè, la formula è per essere migliori nella tua vita professionale, nella tua vita sentimentale, nella tua vita sessuale, eccetera, serve, devi fare. Cioè, ognuno ha poi la sua ricetta, no? È come se fosse un sintomo da curare questo sé. E intanto per ritrovarsi, quello che è chiaro è che intanto bisogna obbedire, cioè tu obbedisci, poi qualcosa succederà e il sé verrà ritrovato. La versione più bella, dice Laurent, di questi manuali di crescita personale sono quelli degli autori che vogliono fare un manuale di crescita personale che non vuol fare il manuale di crescita personale. C'è questa autrice tedesca che lui cita nel libro, che ha scritto questo grandissimo bestseller in Germania, il cui titolo tradotto, on n'a pas le titre en italiano, una traduzione, suona come sono una merda e voglio restarci. Cioè, quindi, se vi sentite una merda va bene, siete brutti, cioè vi sentite brutti, vi sentite inadeguati, l'importante è accettarlo e rimanere così, cioè colpa del mondo, devo solo accettare il mio essere una merda, il mio sentirmi così. Quindi il metodo per riconciliarsi con la merda che si è quello di fare degli esercizi, ovviamente, per imparare a essere una merda. Questo è il metodo di questa autrice. E quindi tu ti dici, dai, va bene che sono una merda, facciamo questi esercizi per imparare a riconciliarmi con il mio essere, una nullità. Poi però si chiude questo manuale e uno è infelice peggio di prima, perché da sentirti merda ti senti super merda, cioè tu già ti sentivi male, in più hai fatto gli esercizi per riconciliarti con tutto questo star male e non riesci manco a fare quelli perché sempre male stai. E quindi dice, cioè, rendiamoci conto dell'abisso in cui siamo precipitati in questo paradosso. Voilà, on pourrait évidemment continuer longtemps, je ne sais pas très bien combien de temps d'ailleurs. Voilà, Comme vous voulez. donc on pourrait évidemment continuer longtemps sur ce sujet, mais vous aurez compris que ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est deux choses. D'une part, j'essaye de reconstruire ces significations, je ne sais pas, peut-être pas cachées, mais peut-être un peu oubliées de tout ce vocabulaire. Du soi, du moi, effectivement, comme l'a rappelé Margherita, il y a un peu, évidemment, je reviens au droit romain parce qu'il faut comprendre un petit peu de droit romain quand même pour savoir d'où vient en fait la personne, elle sort d'où, pourquoi est-ce qu'on parle de personne encore aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie, personne comme catégorie de droit, qu'est-ce que ça signifie encore de nos jours quand on, du coup, quand on l'utilise. C'est vrai qu'il y a un petit peu on voyage un petit peu dans l'Inde classique, dans l'Inde des Upanishads, par l'intermédiaire de Jacques Lacan. On voyage comme ça dans toute une série d'endroits, dans l'idée, donc d'une part, de redonner à des mots ordinaires leur sens extraordinaire, parce qu'en réalité, toutes ces abstractions concrètes dans lesquelles nous vivons et qui nous définissent, sont toujours extraordinaires quand on y réfléchit un instant. Et il faut les re-rendre extraordinaires pour pouvoir le voir, d'une certaine manière. Et puis de l'autre, en effet, il y a une volonté qui est une volonté de proposer, puisque c'est une proposition, je vous l'ai dit tout à l'heure, de proposer une espèce d'hypothèse ou de possibilité de sortir
de cet univers de signification qui n'arrête pas de, en fait, de nous réemprisonner à chaque fois qu'on prétend s'en libérer en utilisant ses moyens propres. Voilà. Donc quel type de vocabulaire il est possible de fabriquer, quel type d'imaginaire il est possible de construire, quel type peut-être de rêve, de fantasme il est possible de bricoler qui nous permettrait de laisser derrière nous, ou en tout cas de rendre moins toxique, moins nocif tout ce vocabulaire du moi et du soi, le rendre moins pulvérulent, malade, tordu. Et voilà, et donc le livre finit par une proposition qui vaut ce qu'elle vaut. Si vous avez le courage de lire le livre, vous me direz si elle a le moindre intérêt. Mais une proposition de virage. Voilà. Je ne vais pas vous dire lequel, hein, je suis désolé. Mais une proposition de virage par rapport à ce vocabulaire-là. Voilà. Je ne prétends pas faire un travail de libération. Je ne prétends pas faire un travail même de salut ou de salubrité. C'est vraiment, comme je le disais au début, la volonté de se dire, en fait, quand on ouvre la bouche, ce n'est pas nous qui parlons. Quand on ouvre la bouche, nous sommes parlés. On est des marionnettes ou des voilà, dans lesquelles il y a une main comme ça, comme pour les ventriloques, vous savez. Voilà. C'est quelqu'un qui parle à notre place quand on utilise le langage. Et donc, la seule chose que j'essaye de faire, c'est d'essayer de nous redonner une certaine perception de ces choses qu'on nous fait dire à notre place quand nous parlons et qu'on utilise des mots comme, en l'occurrence ici, le mot soi. Et qu'est-ce qui se passerait si jamais c'était nous qui choisissions en fait le sens de notre vocabulaire? Qu'est-ce qui se passerait si c'était nous qui choisissions en fait nos mots et qui fabriquions nos existences avec nos mots à nous? Voilà, c'est un peu ça l'idée qui est derrière ce livre. Alors, quello che cerco di fare con questo libro è prima di tutto ricostruire il significato un po' dimenticato del lessico che sta attorno appunto al sé, e sicuramente abbiamo citato tutto quello che Laurent cita nel libro, perché appunto è un viaggio con un sacco di riferimenti. Sicuramente c'è ad esempio il diritto romano, perché bisogna partire dalla persona come categoria di diritto per fare questo discorso. Poi ad esempio c'è l'India classica dell'Upanishad, che lui introduce tramite una frase di Jacques Lacan, quindi tramite la psicanalisi. E poi l'altra cosa che cerca di fare Laurent è di ridare un significato straordinario alle parole che a noi ormai sembrano ordinarie e che ogni tanto abbiamo bisogno di ricordarci da dove vengono per riprenderne e ricordarci la straordinarietà. E c'è la volontà quindi in questo di proporre un'ipotesi per uscire da questo universo di parole un po' trite e ritrite che ci imprigiona sempre. E quindi lui si chiede che tipo di vocabolario, che tipo di sogni, che tipo di fantasmi, no? Si possa usare per, dice, bricoler, quindi proprio per fare, per mettere insieme, per costruire un lessico del sé che sia meno tossico, cioè meno agito. Dice, tutte le volte che parliamo noi siamo parlati in realtà, cioè nella nostra bocca ci sono delle parole che non sono nostre ma sono frutto di tante sovrastrutture, come se fossimo un po' dei ventriloqui. E quindi senza fare nessun lavoro di liberazione, insomma nessuna pretesa di questo tipo, lui cerca di ridare una certa percezione delle parole e di chiedersi che cosa succederebbe se decidessimo noi quali parole usare, se noi fossimo consapevoli delle parole che usiamo. Giusto. Ok? Grande, grazie. No, grazie a te. Domande, cose? Io una gliene faccio, già che ce l'ho. Ma tu hai pomodori. Ah, pomodori, no? Pomodori, no? Domande, cose?
impauritissimi. Ma tu hai studiato questi manuali, quindi? Cioè ne hai letti alcuni? Ah sì, certo. C'est, oui, il faut en lire, il faut les lire pour les croire. Mais c'est parce que c'est. J'ai même. C'est un secret entre nous. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu envie d'en écrire un. Et j'ai eu envie d'en écrire un, mais sous un faux nom. Et donc j'avais inventé une autrice, excusez-moi, mais il y a beaucoup d'autrices de développement personnel. J'avais inventé une autrice que j'avais appelée Camilla Clark. Et j'avais eu envie d'écrire un livre qui s'appellerait L'art de grandir. Voilà. L'art de crescere. Voilà. C'était une blague, quoi. Mais j'avais envie de faire cette blague un peu sérieusement, c'est-à-dire voilà, pour voir ce que ça pouvait faire. Donc j'ai étudié les manuels de développement personnel un peu aussi pour ça. Et alors j'ai essayé de vendre ce projet à toute une série de maisons d'édition en cachant plus ou moins que c'était moi. J'ai jamais eu une seule réponse. Voilà, bon, donc je crois que c'est peut-être une tentative de vengeance. Du coup, par rapport au fait qu'on a refusé de faire un livre sur ce sujet. Vabbè, chiaro, a un certo punto ci svela questo segreto, perché gli ho chiesto appunto, vabbè, l'ho detto in italiano, scusate, buongiorno. Je comprends pas ce que je dis en italien ou pas. No, dice che li ha dovuti leggere per ovviamente documentarsi. A un certo punto ne ha anche voluto scrivere uno che voleva intitolare L'arte di crescere, scritto da questa autrice, pseudonimo di loro, che si chiama Camilla Clark, e ha provato a vendere un sacco di editori, ma non ha funzionato. Ti chiedo una cosa di quello che mi raccontavi prima sul tuo lavoro di editore. Ci racconti perché magari ci sono delle idee, appunto, che cosa fai invece come editore, che tipo di lavoro ricerchi e insomma che cosa cerchi in Italia da portare, non so se in Francia o in Royaume-Uni, Ok, non so. oui, avec plaisir. C'est vrai que j'ai deux collections, une aux Presses universitaires de France à Paris, et une chez un éditeur anglais qui s'appelle Polity Press à Cambridge, enfin bon, à Londres, au Royaume-Uni. Et ce sont deux collections d'essais qui ont un point commun. Elles sont très différentes à plein d'égards, mais elles ont un point commun, c'est que ce sont des livres. J'essaye de ne publier des livres que des livres qui ne font pas les choses comme les autres. C'est-à-dire qui cherchent. Déjà des livres qui cherchent. Pas des livres qui trouvent. Les livres qui trouvent, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais des livres qui tentent des choses, prennent des risques. Et prennent des risques aussi bien formels, parce que je pense qu'aujourd'hui, la montée en puissance d'un style universitaire à dominance anglo-américaine, basée sur l'article de recherche de 45 pages, qui fait un chapitre de livre, et puis comme ça, à la fin, on a cinq articles, ça fait un livre. Bon. Et quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que les livres de philosophie, de sciences humaines, deviennent de plus en plus des rapports de recherche. Les rapports de ce qu'on a cherché, de ce qu'on a trouvé. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les livres comme petites machines expérimentales qui tentent de fabriquer des idées un peu nouvelles, tentent de nous faire voir les choses un peu différemment, et puis surtout tentent de le faire avec des moyens formels qui sont des moyens formels aussi nouveaux. Moyens formels nouveaux, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la langue qui nous parle. Et donc, quand on fait de l'essai, le matériau sait cette langue. Et donc il faut la faire mentir, cette langue. Il faut la trahir, cette langue. Il faut la réinventer, la refabriquer. Voilà. C'est pour ça que je cherche toujours des auteurs qui sont des écrivains, que je considère comme des écrivains qui pensent. Des écrivains qui pensent sous la forme de la non-fiction. Voilà. Alors parfois, c'est quand même des universitaires, souvent pas. C'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui font autre chose, ou qui ont un pied dans l'université, un pied en dehors, etc. Mais donc c'est voilà, c'est les essais que j'essaie de publier sont des essais qui cherchent à maintenir actif
le principe au fond de expérimental qu'on pouvait trouver en effet dans la pensée à fond dans la pensée à nouveau dans la pensée de Gilles Deleuze quand il fait appel à cette dimension de la pensée comme pensée de ce qu'on ne sait pas plutôt que pensée de ce qu'on sait. Quand on sait quelque chose, on ne pense plus en fait. Quand on sait quelque chose, on arrête, puisqu'on sait. Et donc c'est l'idée de l'exploration d'un non-savoir, de l'exploration expérimentale du territoire obscur de ce qu'on ne sait pas et de du type de possibilité que ce territoire possède encore en jachère et qu'on peut peut-être exploiter pour, voilà, pour changer la vie, changer le monde dans lequel on est, changer la terre, changer nos relations avec autrui, enfin peu importe. En tout cas, pour changer quelque chose. Allora, Laurent è il curatore di due collane, collezione collane, una per l'editore francese e a Parigi, legato alle edizioni universitarie, e l'altro che ha sede a Cambridge, quindi in inglese. Nonostante siano due collane diverse, questo ve lo dico perché se avete suggerimenti di autori italiani che ci possano rientrare, siamo in cerca, e, di autori da tradurre, che sono due collane molto diverse, ma entrambe hanno in comune appunto il cercare testi che pongano appunto degli elementi di ricerca che non trovino per forza, ma testi che cercano, si occupa di saggi, quindi testi di saggistica, non di finzione, e soprattutto che non fanno le cose come gli altri, anche a livello formale. Lui non è interessato ai testi che danno risposte, ma è interessato ai testi come avete capito anche dal suo libro, come piccole macchine sperimentali che cercano di sviluppare cose nuove, che ci facciano vedere le cose che conosciamo in modo diverso e soprattutto che lo facciano anche a livello formale. Come abbiamo detto, questa cura del linguaggio è per lui parte del lavoro, questo svelamento, mi direbbe Schopenhauer, è parte del lavoro, e quindi la lingua è uno strumento che il saggista usa, no, per dire le cose, ma anche per tradirle, per fabbricare anche una lingua nuova, una lingua diversa. E quindi è appunto interessato a trovare degli scrittori che pensano e che tengano attivo il principio di sperimentale, di sperimentazione, un po' come diceva Deleuze, cioè si pensa quello che non si sa. Quando sappiamo una cosa smettiamo di pensarla perché la sappiamo. E quindi che siano testi aperti alle possibilità, al cambiamento e al possibile cambiamento, cioè cambiamento del nostro punto di vista, ma perché no, delle cose poi che ci circondano, del nostro modo di approcciare gli altri, del nostro modo di vivere con noi stessi o ad esempio con la terra. E quindi niente, se leggete saggistica, se avete idee, molto volentieri. Adesso ho un'idea anche che mi è venuta in mente, dopo te la do. Bello però. Beh, Tlon in Italia fa un po' questo lavoro, il tuo editore è sì, molto sì, attivo, certo, sì. Però traduce molto, fa poco italiano, quindi non puoi, non tutto proprio lì. Allora, grazie. E grazie, vabbè, a te, grazie. Se avete domande, cose, no, tutti. Ah sì, vai Maria, grazie. Nel libro vista anche dal punto di vista psicologico di come adesso non voglio entrare nel Freud piuttosto che in Jung piuttosto che in, però quando si hanno dei problemi a livello psicologico e si va da uno psicologo si cerca sempre di trovare che cosa del sé si può essere perso o che cosa ci può essere successo per farci diventare quelli che siamo diventati. Mm-hmm. La filosofia riesce a combinare queste due cose, cioè con la psicologia anche?
perché tante volte le due cose sembrano completamente staccate e invece siccome tu dicevi che c'è anche della psicologia La dentro, psicanalisi, sì. della psicanalisi, perché quando vai in psicanalisi tu devi ritrovare qualcosa se hai un problema, però questo qualcosa che cos'è? Perché è comunque una parte di se stessi che si è persa. Abbiamo pezzettini di noi che se ne vanno e poi tornano. Volevo capire se nel libro fai anche questa. Dans cette direction-là. Oui et non. Non au sens où je ne parle pas directement de ce que vous venez d'expliquer, mais qui est très important. Et c'est pour ça que la psychanalyse est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est parce que dans la psychanalyse, on ne gagne que quand on perd. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui me parle. C'est-à-dire on ne gagne pas quand on s'est transformé en forteresse. On gagne quand on a accepté qu'on est juste plein de courants d'air et plein de trous et plein de choses qui fuient dans tous les sens. Voilà, qu'on ne peut pas comme ça se rassurer de soi. C'est quelque chose que je trouve très important dans la psychanalyse. Donc, non au sens, pas directement, mais oui au sens où la psychanalyse est présente parce que il me semble, mais je peux me tromper, que quelqu'un comme Freud, bien sûr, mais Lacan sans doute encore davantage, ont pu présenter ou proposer aussi une certaine compréhension du soi qui, justement, rend plus difficile la prise de toutes ces normativités, de toute cette machinerie policière, ce dispositif policier que j'essaye de décrire dans le livre. Je pense que si on a un lacanien un peu conséquent, c'est très compliqué d'accepter en effet toutes les injonctions de réconciliation et de stabilisation du soi auquel on est confronté aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, il y en a un petit peu. Après, je dois préciser quelque chose qui est important pour moi quand même. C'est que, bon, Margarita m'a présenté gentiment comme un philosophe tout à l'heure, et effectivement, dans le livre, il est mis philosophe. Je ne suis pas du tout un philosophe. C'est très important pour moi Alors, de ne pas l'être. C'est très important de ne pas devi l'être. dire Pourquoi? clone parce que Oui, il faut leur dire. il fai un Mais philosophe tout pêche. le monde le fait. Tout le monde fait Ok. ce truc-là. Dès qu'on se met à parler de philosophie, on est un philosophe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je sais pas. D'abord, je ne sais pas ce que je suis. Mais s'il si s'agit de parler de mes diplômes, mais moi j'ai un doctorat en droit. Voilà. Donc, voilà, y a aucun, d'une certaine manière, y a aucun rapport. Et à certains égards même, on pourrait dire que mon livre est un livre, comme d'autres de mes livres d'ailleurs, qui est très anti-philosophique. C'est-à-dire que si la philosophie est une discipline qui a une histoire merveilleuse, avec des œuvres immenses, immortelles de l'esprit humain, c'est aussi une discipline qui, en tant que discipline, est à l'origine d'un nombre considérable de malheurs, dont il serait, parce qu'elle s'est rendue complice de toute une série de choses, hein. Elle s'est rendue complice de toute une série d'évolutions historiques que moi, en tant que juriste, je suis bien placé pour connaître, puisque dans mon domaine, le domaine du droit, une invention des philosophes, une invention philosophique grecque, domine la totalité de ce qui est possible en matière juridique, et cette invention, c'est la loi. La loi, c'est pas une invention de juriste, c'est une invention de philosophe. Je vais pas, je peux vous raconter l'histoire, mais on est reparti pour 3 heures, hein. C'est une invention qui est une invention. Les juristes n'ont jamais été intéressés par la loi, jamais, et aujourd'hui moins que jamais. Mais comme on en est arrivé à un stade de l'histoire humaine dans lequel droit égale loi, eh bien, on est persuadé que c'est dans ces termes-là que les débats doivent avoir lieu. Ce sont des débats qui sont des débats qui appartiennent à l'histoire de la philosophie et qui marquent, d'une certaine manière, le triomphe de la philosophie sur le droit à travers la figure de
effectivement, de Cicéron, à travers les humanistes, à travers toute une série de figures comme ça qui vont défendre le nomos grec contre le ius romain. Voilà. Je prends fait et cause pour aucune discipline dans ce livre, c'est-à-dire je ne suis pas pour la psychanalyse ou contre la psychanalyse ou pour la philosophie ou contre la philosophie, je fais du piratage. C'est-à-dire, je prends un peu de ci ici, un peu de ça là, un peu de ça, et la seule chose qui m'importe à nouveau, c'est qu'est-ce que je peux faire de tout ce que j'ai piraté. Donc c'est plus qu'un objet disciplinaire, c'est une machine pragmatique. C'est vraiment une machine opérationnelle. J'ai un but, un travail, et je rassemble tout ce qui peut m'aider à penser pour pouvoir réaliser ce travail. Excusez-moi, je suis parti très loin de votre question, mais merci. Alors, lui dice che non, cioè sì e no è la risposta alla tua domanda, non parla direttamente di questa cosa che tu menzioni, che comunque è molto importante in generale, perché nella psicanalisi, cioè, si vince anche quando si perde, si vince soprattutto quando si perde, cioè non si vince quando si scopre di essere una fortezza, ma quando si scopre di essere pieni di correnti d'aria, no? E di accettare, e quando si accetta di essere pieni di buchi. E sì, la psicanalisi, però lui non parla di questo, ma la psicanalisi è sicuramente presente perché gli sembra che con Freud, ma soprattutto con Lacan, cioè che Lacan abbia presentato una certa nozione del sé, una certa problematizzazione del sé che renda molto difficile poi la presa in carico di questi dispositivi che lui chiama polizieschi. E quindi, cioè, essendo lacaniani, comunque come appunto corrente di pensiero, è più difficile sottomettersi a queste ingiunzioni di stabilizzazione di cui abbiamo parlato. E poi, insomma, bisogna precisare che Laurent non è in realtà un filosofo di formazione, ma parlando di diplomi, senza parlare di setti, che cos'è, perché mi ha appena detto che è un po' difficile, lui in realtà ha un dottorato in diritto e è molto difficile, cioè insomma per lui di solito i suoi libri li reputa antifilosofici, anche perché crede che la filosofia, nonostante sia sapere inestimabile, tutte queste opere bellissime, sia fondamentalmente all'origine di molte sfortune e si rende complice di tante sfortune durante la storia appunto del pensiero, che lui come giurista conosce bene, tipo la legge, cioè l'invenzione della legge è un'invenzione filosofica, è un'invenzione che viene dalla storia della filosofia, non dalla storia del diritto. E cosa che ci tiene a precisare, perché i giuristi non sono mai stati in realtà così interessati alla legge, e in un momento storico in cui il diritto viene equiparato alla legge, in realtà questa vittoria della legge sul diritto è un po' la grande vittoria, diciamo, di un certo pensiero filosofico, passato da Cicerone, poi da tanti altri, su invece il pensiero giuridico. Qui dice, cioè, che se vogliamo ci racconta un sacco di cose, ma ce ne sarebbero per altre 3 ore. Comunque, per chiudere, non è che lui sia pro o contro la filosofia o il diritto, la psicanalisi o altre, lui dice faccio del piratage, cioè prendo tutto quello che mi serve per costruire non un'opera teorica ma una macchina operazionale, cioè un'opera pragmatica che, unendo tanti elementi di ragionamento che mi servono, poi provi appunto a fabbricare delle idee. Insomma, vabbè, l'avete capito, credo di averlo reso anche traducendo, però ci tengo a dirlo, il suo vocabolario è molto pratico, cioè fabbriquer, bricoler, machine, usa tantissimi termini proprio del fare, del produrre, no? una cosa, non del pensare. Il y a beaucoup de lexique pratique plus que de la pensée. Ça, c'est le fait que d'avoir fait, j'ai fait. Alors c'est marrant parce que je raconte parfois des trucs qui sont pas tout à fait vrais, hein, attention. mais j'ai fait une thèse de droit
Mais j'ai fait ma thèse de droit avec Bruno Latour et Isabelle Stengers. Donc ça aussi, ça laisse des traces. Et donc cette dimension opérationnelle ou pragmatique, ou, elle vient beaucoup aussi d'eux. Et j'ai d'énormes dettes, d'immenses dettes à leur égard. Cioè, ha fatto una tesi in diritto, ma l'ha fatta con Bruno Latour e Isabelle Stengers, quindi una scuola molto pratica, e quindi il debito della praticità viene da lì. Grazie, Laurent. Adesso grazie ti liberiamo ancora, perché tu devi tornare a Bologna, ah, sì, come okay. Siete vacances.